Allez, parfait. Tu presses. Tu presses. Impeccable. Pendant une minute, on presse. Impeccable. Encore. Tu presses. Allez, courage. Tu presses. Oh, pétard, bitch. Encore. Là, t'es tellement chaude des bras, meuf. Ouais, on est d'accord que là, t'es chaude des bras. Oh, allez, courage. Donc là, c'est vraiment vers le haut. Là, tu es à 90 degrés. Quand tu es prête, tu pousses. En fait, tu peux même te mettre comme ça, si tu veux. Ça fait une contraction des fessiers un peu. Tu vois? Là, si tu contractes le fessier, c'est top. Souffle, là. Courage. Allez, tu te relèves, tu te rappelles, là c'est les coups de pied. Donc, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Je vois flou, coup de pied, coup de pied. Courage, allez, courage. Encore, 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 encore. Coup de pied. Après c'était les biceps curl, tu te rappelles. Donc après on a une minute de biceps curl et après on a une minute de fente alternée, madame. Après une minute de rowing, une minute de ciseaux, une minute d'écarté et une minute de mountain climber, ok? Paf, paf, je te dégomme ta gueule, paf, paf. Allez, courage, on se bouge ensemble, on se bouge ensemble. Ouh. Tu sais, c'est quoi ma série préférée? Parce que j'avais adoré la saison 2, j'avais moins aimé, c'était Bridgerton. Bridgerton, que ça tue. Tu l'as vu ou pas? Tu attrapes les haltères et là, biceps curl. Fléchis tes genoux. Ancre-toi dans le sol, meuf. Allez. Prête. Encore. Lâche pas. Les haltères bleus, c'est 5 kg dans chaque main pour ceux qui se demandent. On s'accroche. Tu soulèves que quand tu es prête. Amplitude complète. Explosif sur la montée. Lance sur la descente. Ok? Allez, tu es prête? Impeccable. Encore. Super. Tu lâches et fentes alternées. Donc pendant 30 secondes, tu fais des fentes normales. La fente, tu as deux façons. Soit tu descends vraiment bas, soit tu descends penché, comme ceci. Soit tu fais des débifentes. Les débifentes, c'est ça. C'est quand le genou est proche du talon qui est au sol. Ça, c'est une débifente. Ok? Et ça sollicite plus la partie postérieure. Donc c'est pas une fente qui est mal exécutée. C'est juste une autre forme de fente. T'es prête? On part en ciseaux. 1, 2, 3. Que pour celles qui peuvent. Je te l'ai dit, je veux absolument pas que tu te blesses. Donc, soit tu continues en fente alternée, toute simple. Soit tu fais un ciseau de chaque côté, une fente. Pour ça, alterne les côtés. T'attrapes tes haltères, copine, et on part sur le rowing. Donc tu te baisses, comme ceci. On y va. Tu soulèves quand tu es prête. Tu montes par les coudes. C'est les coudes qui montent, meuf, c'est pas les poignets. Oh pétard, une minute, ça va être long. Courage, tu t'accroches. Tu montes que quand t'es prête. T'es prête? On plie. Relâche. T'es prête? Tu plies. Souffle, meuf, souffle, sinon tu vas pas y arriver. Encore. T'es prête? Tu plies. Oh pétard. Encore, hein, courage. Ouh. 3, 2, 1. Commencez.
après le rowing, oui, c'était les abdos. Donc, t'es prête? Ouh. Tu montes. Tu montes. Courage. Tu montes. Fais le angle de temps. Tu montes le buste et tu t'avances. T'as vu ça un peu? Regarde. T'es là. Tu montes le buste et tu t'avances. Impeccable. Si t'essaies de tout faire d'un seul coup, ça peut être compliqué. Donc, t'as la tête posée, tu lèves la tête, tu déroules le dos, t'es en haut et tu t'avances. T'as vu, facile. Parce qu'il y en a une, elle m'a dit, j'étais en train d'hurler, mon mari croyait que j'étais en salle d'accouchement. Je t'aide, attends. Donc, tu déroules tout doucement, ok? Tu peux même prendre un petit peu appui avec le bras. 3, 2, 1. Impeccable. T'attrapes tes haltères, je vais prendre le 4, sinon je galère. Et on fait un écarté. Comme ça. T'écartes. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? C'est le câlin au tronc d'arbre. Donc t'es écarté, tu resserres sur le tronc d'arbre. Encore. T'écartes. Et tu resserres sur le tronc d'arbre. Oh pétard fâche. Allez, courage, c'est pour la poitrine. À mi-chemin. Les pectoraux, comme on dit dans le jargon. Et oui, les filles ont les pectoraux. Sous cet amas de graisse qu'est les seins, que sont les seins même. Allez, presse. Tu resserres. Courage. T'écartes. Oh. Et tu presses. Encore. Allez, vas-y, courage. 2, 1, commencez. Super. Et là, on part en mountain climber. Donc, tu te mets comme ça. Et tu montes les genoux l'un après l'autre. Quand ça chauffe dans les épaules, copine, tu te rappelles, je fais que te le dire. Tu pousses vers l'arrière. Quand tu es prête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu calmes, tu pousses. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu pousses. Il y a Pépite qui vient rentrer. Encore. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, mais il fait quoi le chrono là? J'en peux plus. 3. Oh, bizarre malheur. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau sur le chat? Voyons voir. Oh, oh putain, bâtard. Tu fais combien de fois par semaine? 6? Ouais. 6 fois, les lives, Sylvie. Non, 5. 5 fois, ah non. Ce samedi, j'en fais pas, mais peut-être que je devrais. Donc, on va faire 45 secondes. Donc là, on part pour 6 minutes. En vrai, 6 minutes, ça passe, tu vois. Donc, ce que je te propose, c'est de rajouter un pull par-dessus ton pull. Non, je plaisante, ça n'est pas ça, mais tu vas jamais te lever. Tu vas... Ne fais absolument pas ça. Juste, tu gardes le premier pull. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Si je garde mon pull, tu gardes ton pull. Donc, tu gardes le premier pull, mais n'en rajoute pas un deuxième. C'est pas la peine. T'as aimé ma petite dadinette? Je sais que t'as dans mes blagues. Et tu fais un développé, pardon, au péta. J'ai failli faire une connerie, hein, donc c'est un développé. L'écarté, c'est à la fin. Donc, le développé, vraiment, tu développes comme ceci. Et tu pousses. Putain, c'est limite pas assez lourd, quoi. Tu presses. Tu reviens. Tu te rappelles, c'est le bisou de 1860. À mi-chemin. Tu touches pas le sol. Ça s'effleure à peine. Hein. Ça effleure à peine. C'est juste le pull qui touche. Et tu presses. Lent sur la descente. Explosif sur la montée. Et là, tu ralentis. Tu verras, ton ressenti va s'améliorer. Après, tu arriveras à sentir chaque muscle 3, qui se contracte. 2, 1, tu auras un bien meilleur ressenti. Tu te lèves et là, tu envoies les pieds. Donc, tu fais coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Comme ça, ça te laisse 45 secondes de repos pour le haut du corps. Tu vois? On ne fait pas, nous, comme ces vieux de la salle de musculation qui attendent sur le banc pendant la minute de repos. Parfois, même, ils prennent 2-3 minutes de repos. Tu sais pas s'ils font du sport ou s'ils prennent le café.
Pépite, il est derrière, il est mort de rire là, il est en train de se dire, c'est exactement ce qu'est allé faire Pépite. Hein. Pépite, il prend 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Donc en fait, quand il va à la salle, genre il va 1 heure. 1 minute et 2 minutes. Il va 1 heure. 30 minutes, il est assis. 30 minutes, il travaille. Comment est-ce que tu viens faire du sport avec nous? On va faire un live. Attends, ne parle pas, ne parle pas. Biception, il a failli faire une connerie. Donc tout ça pour dire que Pépite, au lieu d'aller à la salle, devrait faire du sport avec nous. Allez, je vais lui montrer moi comment on fait un biceps curl. Allez. T'en fais du bruit, franchement, arrête. Tu fais trop de bruit là. Abuse pas. Allez. 3, 2, 1, commencez. Allez, tu te rappelles, c'est les fentes alternées. Donc, fente, fente, fente. Allez, les mains, tu les mets où tu veux. Hein. Franchement, je t'assure, ça n'a pas d'importance. Tu les mets où tu as envie de les mettre. Courage. Encore. Allez. On est presque à la moitié. Je crois que là, on a fait 3 minutes. Donc, il reste 3 minutes. Tu te rappelles? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, tu le fais que si tu n'as pas de douleur au genou. Si tu n'as pas de douleur au genou, tu peux faire ça. Si tu sais que tu as une sensibilité au genou, tu n'essayes même pas. Ok? Tu restes sur les fentes alternées. Tu attrapes tes poids, on part sur un rowing. Donc tu descends le dos comme ceci. Tu tires, tu descends doucement. Explosif sur la montée et lent sur la descente. Tu es prête? Tu tires. Monte. Par les coudes, je fais que te le dire. Hein. À mi-chemin. Parfait. Allez, encore. Tu presses. Vers l'arrière. Tes coudes doivent dépasser ton buste. Tu tires. Allez, courage. Tu tires. J'en peux plus, moi aussi. C'est pas grave. Tu vas t'en remettre. 3, 2, oh, pétard. 1. Commencez. Tu descends au sol. Et on part sur celui-là. Tu poses la tête, tu lèves la tête, tu déroules le dos, pouf, tu touches la cheville. Encore. Tu lèves. Fais-moi cette rotation de buste, s'il te plaît. Ok? Je ne vais pas répéter les consignes 10 fois si je plaisante. Je vais même les répéter 20 fois. Donc tu lèves la tête, tu déroules le dos, tu tournes le buste. Quand tu tournes le buste, ça engage les obliques tout simplement. Ok? Donc ça fait un peu la taille de guêpe, genre. Allez, encore. Pépite, il est à côté. Et il mange avec ses gros bruits de mâchoire juste à côté du micro de mon iPhone. Est-ce que tu penses qu'il a compris le bail? Ou pas? Et là, tu fais un écarté. Ouais, c'est compliqué les réseaux. Et tu presses, donc, comme un câlin à un tronc d'arbre. C'est pas ta faute, hein. L'iPhone il enregistre tout, le micro il est ultra puissant. Le moindre bruit que tu fais, il enregistre. Même le bruit du... Tu sais, le bruit de la clim et le bruit du frigo, quand il se met en route, tu sais, ben, l'iPhone il arrive à enregistrer. Ça fait genre un bruit de fond. C'est ouf. Allez, monte le timer. Donc là, tu montes. Allez, tac, 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 tac. Si ça chauffe les épaules, tu pousses vers l'arrière. Quand tu es prête, tu reviens. Soit tu fais sans saut, comme ça. Tu montes le genou l'un après l'autre. Allez, courage. Allez, tac, tac, tac. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Ça chauffe les bras. Tu pousses vers l'arrière. Vas-y, étire. Tu remontes. Et on y va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exercice terminé. Oh, vache. C'est pas fini, hein. C'est ce que t'es en train de te dire.
Il reste, alors attends, là on va le faire en 30, on a fait 45. On va le faire en 30. En 30, ça va être méga cool. Tu vas voir. On va faire 30. C'est 4 minutes. 30, c'est 4 minutes. Ouais, 4, c'est ça. 4, c'est ça. Parfait. T'es prête? Allez. On part pour 4 minutes. Donc, tu te remets au sol. On se remet au sol. Hein. Et on part sur un développé. Allez. T'es là. Tu presses. T'es là. Tu presses. Allez, courage. Et presse. Et tu développes. Tu plies à 90. À mi-chemin. Tu presses. C'est 30 secondes, ça va aller super vite les filles. Donc 30 secondes, c'est hyper rapide. D'accord? 3, 2, 1. Commencez. Allez, tu te lèves. Et là, tu envoies les pieds. Courage. Encore. À mi-chemin. Tu souffles. Tu souffles. Tu souffles. Encore. Encore. Pépite, il est en train de regarder ce que vous écrivez à l'écran. Qu'est-ce qu'ils disent? 3, 2, 1. Commencez. Ils veulent que tu viennes. C'est ça. Avec le chien, que toi t'allais là-bas, avec le chien. Non, j'ai trouvé mes pardes. Tu me dis, ils veulent que je vienne faire le sport avec toi, puis que Bibou il rentre. Non. Bibou il fait que des conneries. Il peut pas rentrer. Il fait que des conneries quand je fais mon sport, il peut pas. Il rentrera que quand on aura fini. Faire le sport avec le chien, c'est compliqué. Hein. En fait, il te. Ce meuf, il est adorable quand tu fais le sport. Il te monte dessus, il te lèche la tête, il te tire les haltères. Tu vois, comme un enfant finalement. C'est pour ça que je peux pas le faire rentrer. Allez, ciseaux, une fente. Ciseaux, une fente. Ciseaux, une fente. Ciseaux, une fente. Allez, courage. Attrape tes haltères. Allez, tu baisses le dos. Rowing, serre les jambes, sinon c'est la galère. Tu pousses le fessier vers l'arrière. Tu montes par les coudes. Ok? Parfait. Tu tires. Encore. Amplitude complète, tu te rappelles? Tu lâches. Donc, tu lèves la tête, tu développes le dos et tu montes. Encore. Parfait. Je t'explique hein, comment faire cet exercice. Donc. Oh pétard. Ouh. Allez. Encore. 3, 2, 1. Tu chopes tes haltères. Après, on a fini, hein, c'est promis. Donc là, tu fais un écarté. Donc, t'écartes. Allez. Et tu presses. T'écartes. Et tu presses. On va pas en faire beaucoup. Hein. Allez, encore. Et tu presses. Encore. Et tu presses. Allez, mountain climber. T'es prête? On y va. Hop. Et tu cours. 30 secondes, c'est pas long. 30 secondes, c'est pas long. C'est pas long. C'est pas long. On est, il reste 15 secondes. 15. 10. 5. 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
3. Tu te lèves et on fait 3 paires. Donc 1, 2, 3. Attrape tes biceps curl et là on en fait 3. T'es prête? 1, 2 et 3. Et là on part sur 3 paires de fentes alternées. T'es prête? 1, 2, courage. 3, super. On part sur le rowing. T'es prête? Allez, on y va. Tu te baisses, on y va. 1, 2, 3. Tu descends au sol et on enchaîne. T'es prête? Là, ça fait 1. Là, ça fait 2. Là, ça fait 3. T'attrapes tes haltères et on part sur l'écarté. On y va. Allez. 1. Tu es presque, hein? Vas-y. 2. Encore. 3. Oh! Encore. Ah non, pas encore, on a fini là. On a fini. Et là, tu pars sur 3 paires de mountain climber. T'es prête? On y va. 1, 2, 3. On recommence avec 6. T'es prête? On y va. Donc, tu te remets sur le sol. Et on y va. Je compte avec toi. Parfait. On y va. T'es prête? 1, 2, 3. Allez, courage. 4. 5 et 6. Encore. On se lève. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'attrapes tes haltères et on part sur 6 biceps curl. T'es prête? Vas-y, fléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu lâches, fente alternée, 1, 2, 3, 4, courage, hein. On a presque fini, 5, et 6, t'attrapes tes haltères et on y va. T'es prête? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, courage. T'attrapes là et là on va faire 6 sit-ups. Ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, parfait, t'es prête. On y retourne. L'écarté, on en fait 6. Donc, 1, 2, on y est presque, hein. 3, oh, il tarde, ça chauffe. Celui-là, il est chaud. 5. Allez, détasse-toi. Et 6. C'est la dernière partie. On passe sur du 9. T'es prête? On passe sur 9. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre de chrono. Donc, on repart au sol. Et là, c'est vraiment la fin. Promis, c'est la fin. On y va. 1. 2, 3, 4, allez, prends ton temps, 5, t'es pas obligé d'aller sur le même rythme que moi, 6, 7, allez, courage, 8,
on remonte, on laisse reposer un petit peu les épaules et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'espère qu'il y en a qui ont réussi, 8, allez, jusqu'au bout, et 9. On attrape les haltères, on part sur 9 biceps curls. Donc tu fléchis légèrement les genoux, t'es prête et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh pétard, 7, courage, 8 et 9. Tu lâches, fente alternée. T'es prête? Allez. 1, 2, 3, 4. On fait l'autre côté après. 5, 6, 7, 8, 9. On enchaîne. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, on a presque fini, 9, il nous reste 4 exercices et promis c'est la fin. Donc là tu baisses et on part pour 9. Le fessier vraiment poussé vers l'arrière, le dos droit, allez tu tires. 1, 2, 3, monte par les coudes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu lâches et on y va, le sit-up, t'es prête? 1, 2, courage, 3, 4, 5, hop là, 6, 7, oh la vache, 8, oh putain, et 9. Allez, courage. On attrape pour l'écarter. Je prends l'écarter, je prends du 4. C'est les 9 dernières. Allez. 1, 2, 3, 4, allez encore, 5, 6, ouh la vache, 7, oh la vache, 8, oh, et 9, t'as vu ça un peu? Et là, on part sur 9 mountain climbers et la séance est terminée. T'es prête? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oh pétard! Fatch! Eh bien, écoute!